Moi je suis congolais, moi mes parents sont nés au Congo, donc tu viens du Congo là? Non, moi je suis né en France, mais pour moi je suis congolais quoi, enfin je comprends la langue. Alors, comment tu as trouvé ce pays? Ce pays ça va, il est bien, j'ai trouvé, il y a beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais. Parce que les Congolais trouvent mieux de venir ici en Afrique du Sud, de rester ici par rapport à d'autres pays du nord de l'Afrique, tu vois, parce que ici ils se sentent un peu à l'aise et ils sont un peu libres quoi. Hein? Quand je regarde les Congolais, vous avez tous pratiquement les mêmes postes quoi, pas les postes genre élevés. Je dis pas ça pour vous blesser. Hein. Oh, non, ça va. On est en train de bavarder. Non mais comment dire. C'est-à-dire ici le problème qui est là, tu vois même ces gens de boulot, ce n'est pas trop facile d'en trouver. Même ça, ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, on les trouve ça aussi un peu difficilement, tu vois. Oui, il y a beaucoup d'acrobaties là que vous devez faire pour en trouver. Parce que ça fait 10 ans qu'ils ont arrêté de libérer les papiers, tu vois. Partout où vous allez, vous trouvez les noirs sud-africains, tu vois. Alors, ils ont leur mentalité, ils ont leur conscience, tu vois. Ils sont les premiers obstacles. On ne sait pas ce qui se passe avec les blancs d'ici ou les métissages, mais les premiers obstacles que nous avons, ce sont les noirs. Alors, on les essaie un peu de les expliquer. Même là, nous travaillons ensemble avec eux. On a des menaces. C'est-à-dire quoi, des menaces? Des menaces, on nous menace, on doit laisser le boulot. Ça ne nous appartient pas. Et puis, on nous dit là, il faut quitter le pays. Tout c'est le noir contre noir, en fait, là, pratiquement. C'est parce que vous êtes nous, enfin vous n'êtes pas étranger. Oui. Ils ne veulent pas d'étrangers dans leur pays. Ils disent qu'on doit quitter. On est venu ici. On sait qu'ils poussent comme raison. On est venu voler leurs femmes, leur travail, tu vois. Bon, c'est pas facile. Et quand, enfin, par exemple, des étrangers comme nous, ils viennent ici, ils vous accueillent. Enfin, vous entendez bien avec eux ou c'est qu'avec nous? Ou d'habitude quoi? Venir visiter et quelqu'un qui habite ici, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que vous venez, on va vous accueillir, on va vous monter la souris, tu vois. Parce que vous venez, vous payez, même si vous ne le connaissez pas, quand vous vous croisez, il sourit, tu vois. Donc, on observe comment les gens vivent, même si on ne vit pas ensemble, mais on observe. Alors, si quelqu'un est vraiment... il est un peu connecté là, comment je peux dire. Alors il peut observer et apprendre des bonnes choses. Parce que les bonnes habitudes, on les apprend, tu vois, c'est ça. C'est pourquoi on garde toujours la souris. Parce que je ne peux pas montrer à quelqu'un que moi je souffre, non. Quand je souffre avec ma famille, dans la maison. Quand je suis à l'extérieur, je suis bien. Quand j'ai des problèmes, mes problèmes sont pour moi-même, tu vois. Je ne peux pas en charger quelqu'un mes problèmes. C'est trop. C'est difficile là. C'est ça.